Non, je préfère Donc ça. voilà, Ça, je préfère. Ça, je préfère. Non, et je j'ai peux faire ça, relancé en fait. le Je peux... stream. En fait, tu Ouais, peux bah, faire trop ça. tard maintenant. C'est trop tard. C'est bon, je fais la gueule. J'ai relancé le stream la dernière fois, il ramait. Mais c'est vrai que j'ai même pas pensé. J'ai même pas pensé. Moi, je peux Et faire ça. là, moi, j'ai le son, j'ai tout qui fonctionne, on est bien. Mais par contre, j'ai plus ma caméra. Mais bon, on va faire. Naku, on m'a dit les messages que t'as laissé, espèce d'enfoiré. C'est moche. C'est moche. Alors, tu vois, je me galère pour un truc à l'arrache qui n'était pas prévu. C'est moche que vous faites. Bon, allez, Yout, Donc c'est là, on s... parti. là on est dessus, nous aussi? On peut parler, on peut faire des conneries? Ouais, bah normalement on vous entend. Parfait. Vas-y, parle pour voir. Ouais, on peut Ouais, entendre c'est bon, on est après. dessus. Ouais, vous êtes dedans, on vous entend. Donc c'est quoi ce jeu? Vas-y, dis-nous tout. Alors, on est un gardien de cimetière, apparemment c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. J'ai lancé une petite partie la dernière fois, là c'est C'est ambiance. joli, donc, en tout cas. Ouais, j'avais trouvé les contrôles un peu déroutants, genre ça se traînait un peu le sgeg. Mais non, c'était pas trop mal. On est... Mais là, on se tient la main parce que ça fait un peu peur, quoi. On est sur un Samba Amiga, on est sur Amiga clairement. Ah Oh, oui, on ça a dirait l'air. un jeu sur Amiga. Sur Amiga, ils ont sorti le même, je suis sûr. Avec Discord en train de chier, là. Ouais, Discord, ça te pète Discord, je sais pas si c'est Non, mais c'est lié ou pas. Discord, mais bon, rien à voir. Non, c'est Discord qui déconne. Attends, parce que moi, c'est louche, j'arrive pas à avancer. Genre, regarde, tu vois, là, je garde appuyé pour avancer. C'est chelou, hein? La VM, mon gars. Quand c'est que, en tant que J'achèterai un informaticien, vrai t'achètes un PC, moi, PC à la je sais maison? pas. Ouais, un PC à la Je sais maison. pas. Non, ça Salut. tourne bien, d'habitude, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais c'est d'avoir un PC Putain, on Windows, dirait du coup, ça un. me perturbe. On dirait des lieutenants de Dark Bonjour, Vador, hein. je vais me chercher un verre d'eau parce que je sens que ça va être long. Quel connard! Ouais. Là, on va être bien dans le silence de cette place, Of exactement. course, you need to be very vigilant and make sure no one enters. You Il should bouge know beaucoup, le that vieux, quand même. many Ouais, je le foreign trouve aussi, je speakers pense qu'il a des vers. Hein. are buried Ah, ça a l'air everywhere. d'être un prêtre, en fait, j'avais pas vu Oui. son petit tour de Après, cou. des vers pour un mec d'un cimetière, bon. Ça se tient. Ah, bon, du coup, faut que j'aille voir Johnny. Donc, on est à l'entrée, il faut que j'aille à la security room qui est là-bas. Putain, il y a un truc qui me gêne pour passer. Ah, Johnny, il a l'air d'être là-bas, là-bas. Johnny. Oh. You must be the new night shift guard. You should know that guarding the cemetery isn't easy. Ah. The cemetery is IRM equipped with Abdou aussi, hein, CCTV putain. cameras due to the burial of many famous individuals. Apparemment, You il y a plein de must gens connus. regularly check Donc, the du coup, on va peut-être cameras and tomber sur never let Elvis, hein. anyone in. Tonight, the cemetery has three guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, the funeral for these will be held, and you must be very Ok. attentive at the cemetery. There's something very important that the priest told me not to tell you, but I'll share it with you. The previous night shift guard died of a heart attack. Ça met l'ambiance, quoi. Le When they précédent, il found est his mort body at the church d'une door attaque with a cardiaque. bluish complexion and a terrified look on his face. Ah là là. I don't want to scare you, but I thought it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. Bon bah écoute, c'est parti. Il est passé vachement près de la voiture d'à côté. Ouais, j'avoue. Alors, il y a un mec à virer du cimetière. Bon, on va voir ça. Alors, de souvenir, bah tiens, qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air d'être l'ambiance, lui aussi. Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 p.m. onwards, and I have to lock the gate. Ah, Dieu. Surtout la démarche.
Allez, c'est bon, il est parti. Ok. On doit aller regarder les caméras. Et ouais, c'est parti, on va regarder les caméras. En tout cas, il avait pas l'air vachement content, le mec, hein. Lui, il va revenir cette nuit de trucider la gueule. Bah, il peut, enfin, au joueur, parce que moi, il peut venir, mais il sait pas où j'habite, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, on a fait ce début-là, là, l'autre soir, donc ça, je sais plus où je vais. Alors, du coup, ça, c'est un peu le cœur du jeu, a priori, ça va être de surveiller les caméras de surveillance. T'as le... De surveiller. Vu les pavés du cimetière, il y a peut-être même mieux de se foutre en l'air, hein, à mon avis. Ah, à mon avis, il y a moyen. Hein. Bon, ici, il se passe pas grand-chose. Il y a un orbe. 100% orbe. Ah, il y a une C'est un merde ici. caillou. J'ai une fuite d'eau. Il y a des ambiances. Tu regardes ça, ça va être l'ambiance après. Ici aussi d'ailleurs. Bon. Du coup, il faut que j'aille regarder la pipe. Alors, souvenir, c'est là-bas où? De toute façon, on voit la petite flèche là qui monte et qui descend. Ou alors, c'est 100% orbe. Maître, il est parti chercher dans l'Himalaya son verre d'eau. Bah, non, mais il a raison, c'est de meilleure qualité. Ok, bon, bah écoute, on va remonter pour voir où est-ce qu'on peut couper la flotte. Bah, je dirais là. Oh bah c'est sympa ça. Salut les gens. Ah bah y'a plus. Après s'ils comptent me faire flipper avec juste des fonds d'écran qui apparaissent, on va pas s'en Ouais. sortir. Hein. Heureux. Je crois que c'est là-bas à l'opposé. On t'a tout migré dans live a priori là, pendant que t'étais pas là. Ah. Donc t'es en live. Hein. J'ai relancé le début du jeu là, les trucs qu'on avait déjà fait. Ah, attends, voilà, toi, t'es parti chercher dans l'Himalaya ton verre d'eau flotte. Je suis un modérateur, hein, tu sais. Oh, comment que c'est, Vic? Ah, il y a Tu un fais de la corps qui est zic? tombé là. Bon, bah, je vais aller voir ça. Ah, Je Vic, m'en tu fais de la vais. musique? Il a dit plus maintenant. C'était quoi, Fruity Loop? On peut digresser un peu sur ton stream, Bah Gétrange. évidemment qu'on peut messer le stream de l'assaut là. Voilà. Pourquoi tu joues un jeu de merde? C'est vrai que le gars, il a un comportement, comment dire, instable et à tendance dépressif et il joue à des jeux dans des cimetières tout le temps. Moi je suis Ouais, instable et dépressif. Non mais les gars, cimetières. Ah, c'est que les autres jeux, c'est avec des fantômes. Ouais. Ou non, l'autre truc où c'est quoi? Un truc dans une Des morgue, ou cadavres, c'était des quoi? Les cadavres. Ah oui. cadavres. Ah oui, Les c'est vrai que fantômes. ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Mortuaire Assistant. Bah regarde Oh le flipper qui l'a là, chopé aussi. Lève la cadavre, tiens. là, il danse avec des sacs en plus. Ah non. Ah, quelle horreur. Il se passe des choses un peu. Hein. Classique jeu, pas pour Ouais. mettre. Pour l'instant, c'est le Clairement, début. Il c'est se passe clairement pas pas un jeu pour grand-chose. moi. Mais j'ai arrêté l'autre jour, c'était en train de creuser, il fallait que Il y avait j'aille un voir où truc au c'est. sol, gros, là. Ah bon? Il y Ou avait une quoi? tête. Oui, bah oui, je suis passé, ouais. Il y avait un. On peut pas la Un ramasser, crâne. effectivement, c'est un crâne. Mais là, tu fais Ok. quoi là? Tu speedrun le jeu là, c'est ça? Non, 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 Ou il j'essaye de refait les revenir. trucs qu'il a déjà fait parce que c'est un truc du coup. Bah, on stream. On essaye de faire ça en qualité, quand même, un petit Bien. peu, cher Ça monsieur. dure combien de temps le jeu? Histoire qu'on passe temps et tout ça, l'explication. Je sais pas. Graveyard. Bon. Shift. Speedrun. Time. Et vraiment, tu crois qu'il y a vraiment des speedruns de ça? C'est possible. Oui, sans... il y a ce speedrun du tout. Ah, vous allez être content, j'ai pu allumer la radio. On est content. Bah, je sais que c'est On un a truc qu'ils aiment fait bien faire la les deux. fête, Quasimodo. Tu sais que on a pas le son du jeu parce que si on a le son du jeu, on double ta voix. Et Jack, Ah, il y a un ingétrange, mec à l'entrée. J'avoue. Vous êtes pas agréable en fait. Ben oui. Et Comme d'hab. Oui, il a l'air finaud lui aussi là. sentez Ouais. Naku. Naku, il picole. Ouais.
Donc c'est quoi, tu bosses, t'es le... T'es le gardien du cimetière. T'es le gardien du cimetière ? Chips. Avec un lit en sang. Apparemment... Ouais, on a moyen de finir. Ouais, go. Apparemment, oui, c'est ça, on avait vu, il va falloir que je chuchote Jésus-Christ 20 fois pour que la nonne me lâche. Autant te dire qu'elle va m'attraper. Je te le dis d'avance. Okay. La nonne te lâche, c'est dégueulasse, elles ont pas le droit. Ça. Me lâche, elles ont pas le droit. Alors c'est pareil, tu vois, il y a un mec qui est à l'entrée du truc, il y a le lit qui est complètement dégueulasse, mais je vais aller faire la sieste dans le plumard dégueu. Ah oui, j'avais oublié ce passage formidable. Alors, il y a quand même des trucs qui servent à rien, genre typiquement ce passage-là. Genre tu rêves, c'est ça? Ouais, en fait c'est surtout au début, j'ai avancé pendant des plombes, et Vic me dit « va vers la lumière ». Je lui dis « j'y vais déjà vers la lumière, connard ». Et en fait il m'a dit « non mais est-ce qu'il n'y a pas une autre lumière ?» Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que là-bas il y avait une autre toupiote. C'est pas celle-là d'ailleurs. Voilà. Mais on la voit pas au début. Ouais. Ah, l'étoile du berger qu'on voit là-haut là ? Non, ouais, ça doit être exactement l'étoile du berger. Hop, 100% cauchemar standard. Hop. Bon, je pense que t'as loupé les trucs la dernière fois. Bah, j'avais déjà fait le tour la dernière fois, il y avait rien du tout. Regarde vers le haut. Ah bah, je suis déjà parti. Ouais, bah regarde vers le haut. Ah, tu crois là? Ah oui, par exemple, il y a la lumière, oui. Ah oui. Il y a rien, on voit rien, nous on voit rien. Bah, j'ai tourné après, en fait, c'est le temps que ça arrive. Ah, décalage, ok, gros décalage, ok, super. Oui, bah toujours, il y a toujours un gros décalage avec Twitch. Bon. Ah oui. Ah. Il y en a un qui a renversé mes flageolets, quoi. Discord en PLS, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ah, ça déconne encore, c'est chelou cette histoire. Hein. C'est pas grave, toi t'es dessus, ce qui compte c'est que toi tu sois là. C'est beau ce que tu dis. Sur le streamer. C'est beau ce que vous dites. Pardon. Ok, de mourir. Je vais me buter. Mais... Bon, il se passe rien là. Ah. 100% c'est un poltergeist. C'est quoi le but du jeu? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu des esprits? Plus ou moins, en fait, apparemment, t'es gardien du cimetière. Merci, et puis bah. Et puis bah, tu te balades dans le noir là, dans le cimetière, parce que il y a une voiture qui se met à sonner, tu sais pas trop pourquoi. Oh, il y a Red Demon qui est là, comment que c'est Red Demon? Au moins dans. Lui, il sait jouer normalement. Au moins dans Phasmo, on enquête sur ce qui se passe ou autre, alors que là, tu subis juste quoi. Ah, t'es une victime quoi en fait. Ouais, bah. Déjà, t'es gardien de cimetière, tu vois, ça commence mal dans ta vie quand même. Ouais, j'avoue, c'est pas ouf. Alors, déjà, c'est hyper irrespectueux pour les gardiens de cimetière qui sont dans notre public. Alors déjà, je sais pas s'il y en a des masses, et c'était pas... J'allais dire, il n'y a pas de saut métier, et le saut est tombé au même moment, et ça c'est un truc de ouf. Ça c'est vrai. Alors c'est absolument pas, je critiquais absolument pas l'histoire du truc haute, c'est juste qu'en général, dans ce genre de film et dans ce genre de jeu, le gardien de cimetière, il fait pas long feu, quoi. Ah, c'était une... Alors moi j'ai l'impression d'avoir chopé une molly, quoi, mais apparemment non. Mais c'est ça, le truc pince pour les... Ah non, c'est un truc pour les... C'était une rifteuse, non? Ouais, c'est ça, c'était une rifteuse, ouais. Donc je crois que j'en étais resté là la dernière fois. Ah, il y a du chuchotement là pour essayer de me faire flipper un peu. Bon, du coup moi je vais essayer de régler IFTTT qui fonctionne tout. Ouais, oui, faut que je fasse voilà. Pour ça. Super, je reviens. Tu t'es reconnecté, tu l'as pas fait FDP. Bah oui, bah j'ai pas dit. Tu m'as dit oui il y a 4 jours et je voyais que ça marchait toujours pas, je pétais un plomb. Mais en fait ça risquait pas de marcher vu que tu l'as pas fait. Bah oui, je t'ai pas dit que j'ai marre de... Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Putain. C'est un cauchemar. Pire que le jeu de l'étrange. Du coup, faut que j'aille dans. Oui. Ouais, moi je trouve pas ça très stressant pour l'instant. J'avoue que j'espère qu'il va se passer des trucs parce qu'on se fait un peu chier quand même. Putain, ce qui me fait chier, c'est que ça va pas marcher après. Que on change de truc. Pourquoi ça se déconnecte? Oui. Parce que c'est de la merde. C'est. La... Si je tenais. Si j'avais. Si le mec qui nous a conseillé FTTT sur Discord, je l'insulterais de gros fils. Ah, ça crie là, ça crie.
Ah, vous avez pas le son du jeu, vous entendez pas les hurlements. J'ai pas le resetup, du coup ça sert à rien. Nous on a absolument pas peur. Non, vas-y, resetup s'il te plaît. Bon, moi non plus, ça va. J'irai mes enfants. C'est vrai que ces genres de jeux sans le son, c'est pas du tout. Ouais, mais regarde, là je l'ai fini. Ah, tiens les gars, par contre, tiens, je profite pour digresser. Hier, j'ai entendu des mecs qui streamaient sur Lethal Company. Ouais, et ils étaient meilleurs que nous. Oh là, il y a tout qui se barre ici. Non, mais ils jouaient avec le vocal du jeu et ça change complètement. Ah oui, non, mais on en a parlé, il faut qu'on le fasse avec le vocal du jeu, clairement. Non, mais Notre erreur, elle était là. En fait, le jeu, il se joue avec le vocal intégré parce que sinon, c'est aucun intérêt. Bah, genre, par exemple, si jamais je me fais choper avec le masque, bah, il n'y a aucun moyen de vous le dire normalement. Et donc, du coup, bah, c'est ça, du coup, il y a des mecs qui sont dans le vaisseau, ils disaient est-ce qu'on l'attend, est-ce qu'il est encore là ou pas. Ils essayaient de chercher le mec, mais ils savaient pas qu'il était mort, tu vois. On est toujours que 3 à jouer. Non, on a déjà joué 4. Le jeu est moche. Bon, alors il y a tous les cadavres par terre là. Et il y a la lampe qui vient de péter là. Il n'y a plus de lampe là, il n'y a plus de lumière. Le tableau il a disparu. Le stress là, le stress. Du coup, j'essaye de me barrer. Depuis quand il y a des cadavres dans les cimetières? Bah, parce qu'il y a une salle d'embaumement à l'extérieur qui fait partie du cimetière a priori. Bon, j'ai pété Twitter aussi sur FTTT, comme ça il faudra qu'il fasse cette fois-ci. Je parle de Lethal Company, Naku. C'est pas mal streamé en ce moment. On a essayé d'y jouer, mais sauf que nous on est resté sur Discord, donc en fait c'était un peu pété. C'était un peu stupide, ouais. C'était une connerie. L'intérêt du jeu, c'est que tu sais pas trop quand tes potes sont morts ou pas. Et... Après, moi avec Mitch, je pars du principe qu'il est mort, hein, quand même. Hein. Ouais, oui, parce que souvent il dit putain, je suis mort. Putain, je suis mort. Ah, ça y est, là, je suis mort. Et là, je suis mort. La dernière fois, il y avait un monstre dehors, là, il n'y a rien. Il y a un de nos auditeurs qui s'appelle Naku. Salut Naku. Qui demande si tu joues dans le noir total pour avoir peur. Bah là, je suis dans le noir, ouais. Après, ça va. Bon, il faut que je regarde par où c'est que je sors, dis donc, mais. Je sais pas ce qui se passe. T'es chiant avec ton live, j'ai plein de trucs à vous dire sur HFS, je peux pas parce que... Bah oui, il y a un moment. T'as vu, c'est marrant en fait, quand on regarde là dans les reflets, c'est pas du tout la même chose qu'on voit dans le... Je t'écoute pas. Dans la pièce. Ah, tu vois une autre pièce. Ouais, c'est marrant, je... Bon. Comment... Là, tu dois faire quoi? Il y a quelque chose que tu dois faire? T'as un but? Je dois me barrer en fait, je suis bloqué là dans le truc, il faut que je trouve un moyen de sortir. Mais la dernière fois, je... La dernière fois, je pouvais ouvrir ici et là, c'est fermé, là, en fait. Et la dernière fois, il y avait un monstre dehors, donc je sais pas où. J'ai dû oublier de faire un truc. Et je vois pas ce que j'ai raté. Le bot. Ah, merci, gros. Par contre, il n'y a plus Twitter, donc faut que tu reconnectes Twitter aussi. Quel enfer. J'ai dû oublier de faire un truc. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Tu veux pas qu'on teste autre chose sinon? Ouais, je veux bien, mais on a payé. Là, bon, je vois pas où je peux sortir. Grave, oui, mais c'est pas parce qu'on a payé qu'on va utiliser un truc qui marche pas. Tu connais la théorie des couilles récupérées. Oui. Oui, parce que tu me la sors à chaque problématique. À chaque fois que tu je vois pas par où. C'est l'inverse de ça. Oui, je suis d'accord. Sinon, Ah, je sais pas si c'est Discord ou si c'est Met. Bon, ouais, moi j'entendais plus non plus, ça vient de retomber en marche. Bon, bah je comprends pas où je dois aller parce que tout est bloqué là et je suis comme un gland. Et la dernière fois j'ai pu aller dans cette porte ici. Et là je ne peux pas, donc j'ai peut-être raté un truc quelque part. Vous êtes revenu? Oui. Attends, mais Vic, ouais, ça a tout pété là, y'a plus rien qui est connecté du tout en fait. Bah, je comprends pas trop ce que je fais là, je suis comme un gland, je suis bloqué. Ça me dit d'essayer de trouver une sortie. Attends, y'a un papier là. Pour voir ce cercueil là, non? Bah, j'ai essayé, je clique un peu partout. En fait, en gros, normalement, je suis censé aller récupérer un truc pour péter la barre ici pour sortir ici. Elle est là, la sortie en fait, en vrai. Y'a quoi dehors? Regarde dehors. Bah là, y'a rien en fait. Je peux pas. Et en fait, normalement. À la fenêtre dehors. Oui, j'ai regardé à la fenêtre. En fait, comme je te dis, c'est ça la sortie normalement. Mais pour ça, je dois aller dans une autre pièce pour aller récupérer un matos.
Ouais, je sais pas si je dois éteindre la lumière ou pas. Ah, j'ai une clé. Voilà, j'avais raté la clé la dernière fois. Et donc là, du coup, je me précipite vers la sortie en pensant que c'est la clé. Et c'est pas la clé. Donc, c'est marrant, comme je disais la dernière fois, il y avait une personne là. Voilà, ici je peux ouvrir. Je C'est récupère ouvert la là-bas, il y a de la hache. sorte. Non, c'est pas ouvert là-bas. J'ai une hache, là je suis au crématorium. Et là, normalement. Ah voilà, là il y a une personne. Je me disais bien que la dernière fois j'avais un truc comme ça. Salut toi. Et donc là, la sortie, elle est ici. Tu Et peux ben utiliser la alors. hache ou pas? Oui? Sur la T'as pas planche, vu quoi. le. T'as pas vu Oh putain, le c'est petit stress nul. qui est passé, ouais? Le petit scare jump qui était bien fait là. Hop là, chargement. On est sorti. Salut Nas. Hop, allez, on enchaîne. Désolé d'un coup. Mince. Ah ok, apparemment faut que j'appelle Johnny Johnny au téléphone. Bon bah c'est reparti. Tu t'es carrément mis dans le noir et tout, tu vis l'expérience. Bah il faut, moi je suis dans D'accord. le noir aussi, on est bien là. Enfin, moi je suis pas trop stressé par ce genre de truc, donc ça va. Tu joues à la manette ou au clavier souris? Non, je joue au clavier souris là. Il est injouable à la manette, j'avais essayé et c'était une purge. Ok, bah dis-le à Nas. It's just keyboard and mouse. Ah voilà. Hello, Just Mr. keyboard and Johnny. mouse, There's a comme le problem. disait. I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mais peut-être que ça marche au gamepad aussi, j'ai pas Mr. réussi à Johnny? configurer comme il fallait. I can't hear you. Can you hear me? Ah bon, Oh, c'est bien la peine. Jesus. You're welcome. Alors, on est reparti. Y a plus que nous deux là, j'ai l'impression qu'ils sont barrés, les autres. Non, je Bah, suis je là. sais pas. C'est Putain, juste vous êtes neuf, il craqués par le écoute. truc. C'est un gros écouteur, lui. Ouais, je suis en train de modifier mon site en même temps. T'as raison. J'ai ajouté 1 million de Maintenant, tout le monde est produits. là. Il y a Mickey Vic aussi. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ça, c'est l'ambiance, là. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Hein. Ah, bah, il n'y a plus de signal dans la salle d'embaumement. Bon, bah, écoute. Ok, bah, écoute, on va aller voir ça. Hein. Peut-être je vais déjà crever, en fait, hein, il faudra recommencer. Je sais plus où il était, le mec, en train de creuser. C'est pas par là? Je me tape tout le tour du cimetière parce que je sais pas où j'ai pas repéré où c'était. Donc le but c'est de t'enfuir du cimetière ou... Ah non, je suis le gardien en fait, je dois m'occuper de ce qui se passe. Il y a Et de la là, il y a lumière. un. T'as vu une lumière là? Une lumière blanche au loin. Merde, attends, j'ai raté un truc. Mais Ah, là tu peux pas... là-bas! Bah, Ah, c'est le à temps cause que des décalés tu. dans le bordel. Ouais, c'est Ah, je suis compliqué. trop con. Attends, je vais aller regarder sur la vidéo où il est parce que j'ai pas du tout vu où c'était quoi. Je vais re-regarder où était la caméra parce que je suis pas bien placé, c'est galère. Alors. Ah bah attends, il creuse plus. Donc c'était ici. Donc là où il y avait le feu en fait. Donc j'étais bien devant en fait, je suis passé devant, c'est que j'aurais dû fouiller à cet endroit-là en fait. Alors on y retourne, c'était bien là-bas. Là où il y a un feu, j'ai un doute, je crois que c'est là-bas. Et donc il creusait ici, et bah voilà. Ok. Ok. Bon, bah visiblement il y avait un monstre qui sortait de tout ça. Faut que je Bon, ça marche pas vite m'échappe. que FTTT c'est mort. Faut que je m'échappe du cimetière par la porte. Je sens que la porte elle va être fermée. Oh bon sang. Il y a des fois les directions elles galèrent un petit peu. Genre t'es en train d'accélérer, mais
Tu restes bloqué en fait, alors que si tu cours, t'es débloqué. Ok. Il y a quelqu'un qui a changé le cadenas, ça c'est drôle. Oh, il y a du monde derrière. Ceci dit, c'est Pas tout peut-être pas coûté, plus hein. mal d'être T'es enfermé dans le enfermé. cimetière, du coup. Ouais, mais regarde le monde qu'il y a de l'autre côté, là c'est peut-être pas plus mal d'être enfermé à l'intérieur. Bah ouais, il a voulu se barrer là parce qu'il avait les miquettes là, le garde, mais finalement on est obligé de rester. Bon bah zou. Ah là, j'étais en train de courir et comme disait Vic, là, je suis comme les petites vieilles, j'ai dû me prendre les pieds dans une barre qui dépasse là, et hop. Bon, il me dit de retourner au security room, j'y suis. On va fermer la porte parce qu'on est un peu les miquettes. Ok. Ah, ambiance dans le. On va aller voir ça. Hein. Bah ouais, on va aller voir l'église. Allez, Zou, il y a quelqu'un dans l'église alors que c'est censé être fermé, une honte. Je crois que c'est par là. Ah non, il n'y a personne. Ouais, oh. Apparemment, il y a un démon qui a été enterré ici et qui embête tous les gens qui sont enterrés dans le cimetière. Bon, bah écoute. Apparemment, il va falloir que je détruise le démon. Bon, on va essayer ça, hein. Là, Bref. il est... Ouais, bah, la routine. Follow the footprint. Bah, écoute, c'est parti. Tu vois, on te dit, il y a un démon qui est enterré. Et juste après, on te dit de suivre les traces de pied sur le sol. Les traces de pas. J'ai peut-être pas trop envie de suivre les traces de pas, tu vois, d'un coup. C'est parce que t'as les miquettes. Bah, ouais. Mais bon, du coup, je vais le faire quand Ça ferait un bon nom de groupe, ça, Mick and the Miquettes. même. Hein. Mickey and the Mickey, j'aime bien, ouais. Ah, on n'a pas visité encore ce bout-là du cimetière, tiens. Bon, ceci dit, ça donne pas non plus envie de visiter. Hein. Ouais. Ok, alors il me faut une toule pour casser la porte. On avait vu qu'il y avait un pied de biche tout à l'heure. On va aller choper ça. Faites 1h20, ouais, j'ai peur qu'on ait fait le tour rapidos du jeu, quoi. Après, c'est peut-être prometteur, il était pas trop mal noté. Top. Allez, Zou. Voilà. Comment je peux te faire ça avec un pied de biche? Normalement, c'est la porte qui Bah. pète et pas la chaîne. Vu l'état de la Ouais. porte. Oui, je pense que j'aurais pété la porte avec un coup de latte, on aurait gagné du temps. Elle est grande cette tombe. Je veux te dire, elle est plus grande que certains appartements. Je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais il y a l'ambiance. Sympa. Ça s'appelle un caveau, je crois. C'est vrai, j'ai donné la version anglaise vu qu'il y avait écrit tombe. Taylor, 1940. Je peux pas ouvrir ici? Non. Ok, bon, on va aller voir là-bas plus loin. Hein. Ah, il y a une ombre chelou là. Ah, il n'y a plus l'ombre chelou. Ça remonte par là. Jones, 1945. Ils sont un peu tristounes leur tombe quand même. Hein. Enfin, je veux dire, quitte à payer autant pour faire un caveau avec de la lumière, de l'électricité, je sais pas, moi j'aurais mis des LED, une Au moins petite de leur ambiance, rêver, quelque quoi. chose. Bah oui, exactement, Ça quoi, un arrange un truc un peu, quoi, peu. c'est gratuit. Roberts, 1951. Bah ouais, non, c'est pareil, on dit, enfin, on se fait chier là-dedans, quoi, ça manque un peu de musique d'ambiance, de.
Où il y a même un cercueil en plein milieu, là, super. Ah. Bah, t'es passé où, toi? T'as disparu? Bon, ok. Johnson, 1968. Ah, il y a une ombre au fond, là. Je sais pas si je peux rentrer. J'ai pas l'impression. Du coup, on peut pas aller voir ce qui s'y passe. On va aller voir par là-bas. Je te raconte pas pour retrouver la sortie. On va s'amuser, hein. Pas suivi le All Western Turn Left. Alors. Oui. Non, faut toujours mettre la main sur le mur à droite, c'est pas ça. Bah, peu importe quoi, mais ça marche. Non, mais j'ai qu'un seul chemin unique, donc. Ok. Oh, ça a l'air d'être l'ambiance ici aussi. Ah, attends, apparemment je peux ouvrir les portes. Putain, ça fait pas rêver. Attends, bah, je peux retourner là-bas. Ah, attends, il y a encore un chemin là, c'est ouvert ici. Ah, là, il y a des tombes ouvertes là. Williams 1915. Bah, c'est parti. On a vendu 2 billets aujourd'hui. Ah, en voilà des nouvelles qui sont bonnes. Combien C'est la il en reste? folie. Oui, il en reste. Non, il reste quand même pas mal. Ah, genre, j'ouvre 7. les cadres et tout. Là, enfin, Achetez vite. Il en reste beaucoup, il reste Mais il 12. en restera plus à la fin. Oui, quoi qu'il arrive, c'est certain. Ok, bah, il n'y a pas grand-chose de passionnant ici. Ok. Est-ce que je peux ouvrir celui-là? Ah, là, j'ai le droit carrément à un truc bandelé, quoi. Je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait une momie, mais... Ah, si, la tête, elle est en dehors, en fait, ici. Elle est passée au travers de la pierre. Ça, c'est On calé. va... Bah, on va aller voir en face. Parrington, 1917. Pardon. Ah, il y a une ombre là-bas au bout. J'ai hâte d'aller voir ça. On va visiter d'abord le reste avant. Ah, il reste plus grand-chose ici. Hein. Attends, j'essayais de prendre ça. Ah, apparemment, je peux pas le prendre. Tant pis. Bah, c'est pareil. En fait, du coup, c'est chercher le complément. Il y a la tête d'un côté, le corps de l'autre. Pareil, pas grand chose ici. Bah alors, t'es passé où? Ah, bah attends, j'ai de quoi faire ici. Ah, est-ce qu'à 5 minutes, hein, téléphone. Vas-y, vas-y. Alors. Ok. Apparemment, il a passé 60 ans de sa vie à essayer de trouver le démon. Ok, posé dedans, ok. Bon. Eh ben écoute, à mon avis, je pense que c'est peut-être lui qu'on va trouver dans la pièce là-bas de l'autre côté où tout était. Merde, c'est de quel côté? Par là. Où tout était complètement fermé, là. Du coup, ça va être l'ambiance d'arriver là-dedans. Voilà, bah c'est parti, hein. De toute façon, j'imagine qu'on est venu là pour ça. Enfin, je pense qu'il se serait pas galéré à essayer de faire un truc aussi beau, pas aussi beau, aussi chiadé en tout cas pour. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Genre, faut que je casse un truc? Pour l'instant, je vois pas trop ce que je fais là. Ah, il y a une hache, je n'avais pas vu. On va casser ça. Voilà. Vic qui va nous dire, mais ça, la hache, jamais, ça se casse. Oui. L'oxyacétylène. Allez, où on ouvre, à mon avis, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, on est parti, quoi. J'ai terminé ta hache. Alors.
Ok, apparemment c'est en 1917 là qu'il y a eu le petit cadavre d'Elias. Qui ça? Alors c'est bien, j'ai récupéré une. Ah, je peux le cramer. Vas-y, je l'ai cramé. Bon bah faut que je me barre. Je peux pas le regarder cramer. Bon bah écoute, c'est parti. Hein. Salut, salut. Alors on doit refaire tout à l'envers. Mais je sais pas pourquoi je sens que ça va pas être la même ambiance. On va regarder un peu s'il se passe des trucs autour. Ouais, non, pour l'instant pas grand-chose. C'était ouvert ça tout à l'heure? Bah non. Oui, oh. Je sais pas comment on fait pour... Je crois qu'on va arriver là où l'autre il a creusé tout à l'heure. Hein. En regardant en dessous? Non, pas en regardant en dessous. Bon, il se passe pas plus que ça. Je pensais que ça allait être la folie en sortant de la tombe, quelque chose, mais... C'est plutôt calme. Ok. Bon, je sais pas où on est. Ça devient une habitude de retourner à la security room. Alors par contre, ceci dit, on longe le mur du cimetière. Ouais, c'est ça, l'entrée est là-bas. C'est là, j'ai retrouvé le chemin. Attends, il se passe un truc là-bas, mais... Dans l'étage, ça me dit de retourner à la security room. Et je crois que je peux pas y aller. Ah si, là. Ce serait pas la fameuse nonne, là, faudrait peut-être pas que j'y aille, je vais peut-être crever. Faut que tu dises 20. Je vais peut-être retourner à la security room et puis peut-être laisser la nonne. Après, il y a peut-être sûrement un succès à faire, mais je sais pas si je peux. Je pense Ouais, oui. je peux pas faire ma feignasse et faire un save avant ou un truc du genre. Attends. Bah non, en fait, je peux pas y aller, je suis obligé d'y aller quoi qu'il arrive. Bon, bazou. Zoubilou. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais devoir courir jusqu'à la security room ou dire Jésus 40 fois. Ah ouais, en fait, rien de très passionnant en fait. Ah ouais, c'était ça, j'ai rencontré la nonne morte. Tu vas bien? Bah apparemment, ouais. Bah, en tout cas, elle avait l'air sanglotante. Hein. Je pense que ça pourrait peut-être être plus fun si je me mettais à hurler sur les scare jump ou autre, mais... J'ai pas trop de soucis avec ça. Ouais. Ah, ça recreuse. On va retourner voir. Ah oui, il y a encore du monde là-dedans, mais en fait, c'est la folie partout, là. Je sais pas où je vais. Oh, mais non, mais... Et il y a le mec qui est revenu, aussi. Et la voiture, bah en fait en gros tu sais même plus où tu dois aller tellement ça sonne de partout. Le mec à l'entrée. Putain. Les. Pff. En fait, il n'y a pas une pièce où c'est pas la merde. Donc Ok. Apparemment ils disent que le diable ne brûle pas, donc ça sert à rien. Alors, Livia, c'est bien gentil, mais du coup, ça veut dire que je dois me barrer de où? Du cimetière. Ok. Apparemment, je peux pas sortir d'ici. Ok. Eh bah écoute, bim, sauvegarde du truc, là que je me suis fait shooter la gueule quoi. Ah, j'ai même plus de flashlight.
Ok, on est au milieu des tombeaux là. Je sais pas trop où c'est qui qu'on va, ni trop ce qu'on fait. You. Je suis là, biche. Ok, on est redescendu plus bas. Bah, je pense qu'on va pas avoir le choix que d'aller là-bas. De toute façon, on voit rien derrière, donc. Zou. Bah, j'en sais rien. Peut-être falloir que j'aille là-bas. Bah non, il y a un mur derrière moi en fait. Donc j'ai dû rater quelque chose dans le coin. Quelque chose. Bah j'aime bien dire quelque chose. Quelque chose. Ah c'est chelou. Je sais pas où je suis, mais en tout cas il y a du monde de partout quoi. Bah écoute, on va avancer au bout du tunnel. Il y a peut-être de la lumière au bout du tunnel. Ah, il y a la fameuse petite lampe là, comme on avait vu avec Vic. Comment je suis revenu là, moi? Ok, j'ai pris une cassette. Je peux pas reprendre la lampe. Où il est le lecteur de cassette? Qu'est-ce que... Ah, la télé, là, je l'avais pas vu. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Ah, attends, j'ai peut-être mal fait un truc. Bah, j'ai juste ton power. Ah. Voilà. Allez, c'est parti. Hello there, viewers. The story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. Ah, ça commence bien. The first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there, as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of a demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible, and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. C'est très bien, c'est sympa ça. C'est pas très très gentil avec le security guard, il était pour rien lui quand même. Genre le truc il se rembobine tout seul à la fin quoi. Ça c'est bien quand même. Hein. C'est le luxe. Bah ouais, je vois. Hein. Bah du coup je sais pas trop ce que je fais là. Ah, j'avais pas vu ça. Ah. Bon, bah forcément, évidemment, je vais être obligé de regarder en haut, quoi. Allez, c'est parti. Un peu prévisible, quand même. Hmm.
C'est marrant, on dirait que ça, pardon, que ça donne plus sur le cimetière, c'est chelou. Bruire sur le cimetière. Donnez-vous tout franchi sur la bière. Un gros zombie pas chouette. Cours après moi avec une machette. Ah, y'a un mec à l'entrée du truc, on va aller voir. Chauve-souris dans le hangar. Y'a du sang sur le trottoir. Y'a un pendu dans la cour. Ça t'en sent bien faire un tour. Petit tour. Hey, on a la bouche pleine de sang. Et on rit. Tout, 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 tout. Ma femme couche avec Satan. C'est beau la vie. Bah, du coup, je dois aller rencontrer le prêtre à l'entrée du cimetière, mais du coup, c'est parce quoi, j'ai une nuit et c'est fini là, parce que en même temps, en vrai, si t'étais un mec normal, tu reviens pas la nuit d'après quand même. Enfin, si t'es pas trop con, quoi. C'est barré, l'ombre. Je sais pas ce qui se passe là dans la bagnole derrière, mais ça clignote dans tous les sens là. That being the god of this place revitalizes the hills. Oui, c'est pas comme ça que je le dirais, mais bon. Ok. Bah, Leave the Graveyard, on est parti. Mais du coup, qu'est-ce que je reviens que, comment, C'est un peu chelou quand même. Voilà, c'est tout, c'est fini. Tu as échoué. Tu crois? Je sais pas. Je sais pas si tu te souviens, dans Mortuaire Assistante, la première fois qu'on pensait avoir fini, on y est bien passé, quoi. Bah, je sais pas trop ce que je fais, là. Vas-y, on roule. Bah, je peux pas avancer. Alors, je peux reculer. Ah, en fait, comment veux-tu? Les touches... Non, si, si, c'est juste que les touches sont pas bien configurées. Ah oh, putain, je conduis aussi bien. En fait, les touches. Oh bordel. Mais non, mais. Les touches sont mal configurées en fait. C'est en... Je suis en QWERTY sur le clavier, donc c'est un peu galère. Ouais, c'est bon, je les ai. Il va se passer un truc du genre, va y avoir un monstre, et puis en fait je suis toujours dans le cimetière et c'est toujours la nuit, ou un truc du genre. Je sais pas, là il y a un effet de zoom vers l'avant ou je sais pas trop quoi, donc forcément il va y avoir un truc. La musique se baisse. Peut-être que je cherche une place de parking. Quand il y a une porte devant, avec un mec en haut. Ah, c'est le mec chelou là, du truc. J'arrive à suicider devant ou je sais pas quoi? Non, bah il se passera rien de plus. Du coup, c'est nul un peu comme jeu au final. Bah, ou peut-être qu'il y a des gens. Ah, attends, il y a de la musique en haut, ça fait peur. Voilà. Bah, il y a peut-être des gens qui sont plus sensibles aux scares jeunes que d'autres, j'en sais rien, c'est pas. Temps parce que là du coup j'ai eu un gros accident, là je prends feu. Il y a une musique angoissante et il y a un mec qui approche. Ok. Ça fout un peu les miquettes quand même. Mick and the Mickettes, de retour. Ah, on y revient, Mick and the Mickettes. Alors attends, je suis sorti de la voiture et tout ce que je récupère, c'est le putain de truc qui est en train de klaxonner devant ma gueule. Sans déconner, quoi. Ok, très bien, bah oui. Bon, ça va peut-être me saouler de rester dans le coin là, ok, je peux pas aller par là. Lui il klaxonne en boucle et je peux pas ouvrir, je peux rien faire, donc j'imagine que la seule solution c'est que je recours là-bas. Ah non, je peux pas non plus. Ça va être très bon. Bah si. Non, je suis bloqué, ça. Ah, attends. Ah putain. Ah bah tu vois, comme quoi ça marche de temps en temps, je suis sursauté là. Je m'attendais pas. D'habitude tu les prévois un peu là, je.
Ah là, il y a une musique de fin, ou alors il y a des extraterrestres qui vont m'envahir, je sais pas trop. Ouais, je sais pas, j'attends. Ah bah c'était la fin. Attends, si je fais continue, ouais, j'ai l'impression. Bah j'ai l'impression. J'ai juste cliqué, je suis revenu sur le... Attends, si je fais continue, je reprends où? Attends, j'ai le téléphone qui sonne, je reprends dans le truc. Je comprends pas tout là quand même. Non bah si, je reprends dans la voiture là et après on enchaîne. Bah, je veux bien essayer de voir si ça change quelque chose, mais j'aurais peut-être pas dû cliquer. Mais bon, j'ai juste cliqué, je suis revenu sur le truc, pas un générique de fin, rien. Que dalle. Ouais, je dois avouer que si c'est ça là le truc, je serais quand même vachement déçu parce que c'était genre super bien noté. J'avoue que j'ai juste fait des trucs mécaniquement, c'était pas forcément passionnant quoi. Après, je l'ai pas payé cher, hein, mais. Quand même. Parce que oui, j'ai payé le jeu, on est sur la chaîne de l'asso, mais c'est pas l'asso qui achète le jeu. L'asso n'a pas d'argent. Envoyez des sous. Envoyez des sous, à l'art. Écoute, on retente, on va voir, c'est pas très loin derrière, mais. Donc là, on a le mec là-haut qui nous regarde partir. Encore une fois, j'insiste, hein, si t'es pas trop con, tu restes pas. Après une nuit pareille, tu te dis pas, tiens, si je faisais une deuxième nuit. Ceci dit, dans Mortuaire et Assistante, on fait plusieurs nuits. Hein. Mais bon, retirer les chicots du Père Noël, ça n'a pas de prix. On est reparti, on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, on a dit on peut pas aller par là, il n'y a rien qui se passe ici. Là, la voiture, on peut rien faire. Bon, voilà. J'ai juste cliqué sur le coffre, en fait, ça se retourne tout seul et ça me fait hurler dessus. Et là, écran noir. Alors j'ai vu un éclair, et puis là j'ai la musique derrière. Bah écoute, y a rien de plus là. En fait, je pense qu'il y a un bug et que je devrais voir le générique ou un truc du genre. Tiens, attends, je vais essayer Alt-Tab, voir ce que ça donne. Bah non, Alt-Tab, ça regarde là. Bah non, c'est la fin. Bah c'est la fin. Bah écoute, ouais, je suis un peu déçu quand même. Bon, après, il y aura peut-être des mises à jour, je crois que c'était encore en alpha ou autre, donc... T'as payé combien? Je sais plus, 3 ou 4 balles, un truc du genre. Hein. Ouais, quand même. T'as investi. Bah oui, non. Les gars, on peut pas manger pendant au moins 3 minutes. T'as... Bah, je pense bien. Hein. Attends, je vais aller regarder sur les internets. En tout cas, j'ai fait tous les succès. GG. Non, c'est 7 balles, j'ai payé 6,89. Ah ouais, quand même. Une honte, une honte. T'avais presque un kebab pour ce prix-là. C'est, le, c'est un truc de gros, on paye en référentiel, c'est. Ah, mais sans les frites et tout. Ah, ouais, merde. Ah, il y a des gens qui disent qu'en tout cas, c'est le. L'un des jeux qu'il a le plus aimé cette année. Ça. Bah, écoute, je pense que je vais arrêter, hein, je vois pas. Alors, je sais pas s'il y a eu des mises à jour récentes ou autres, mais en tout cas, j'ai raté un truc, je pense. Non, il n'y a pas de mise à jour depuis le 11 décembre. Merci. Hein. Bon, je suis sûr que t'as flippé, toi, que t'étais accroché à ton siège. Ouais, grave, de ouf. T'es en train d'ajouter des produits sur mon site internet.
Je sais pas, ça fait combien de temps de live, voilà. 55 minutes. Genre, j'ai fini en 50 minutes le jeu d'une heure 30. Bon, bah voilà, bah écoutez, c'est fait. On a commencé tard, on a fini assez tôt. Ouais, on a fini assez tôt, exactement. Moi, en plus, je parle bien la France, là, d'un coup. Oui. Ouais, bah écoute, j'ai un peu de déception, quand même. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. J'essaierai, j'ai d'autres jeux sous le coude. Arrêtons la caisse. Qu'on n'a pas... Bon, non, ça va, qu'on n'a pas enchaîné là... un certain nombre qu'il faudra qu'on regarde. Bah, effectivement, si vous voulez faire des soirées mortuaires assistantes, vite, il aime bien quand j'arrache les chicots du Père Noël, justement. Mais même à Phasmo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une petite soirée Phasmo qu'on pourrait stream. Comme ça, vous pourrez, vous, avec nous, vous moquer de Met. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. Attends, je vais regarder dans le camion, voir ce qu'on voit. J'ai besoin de voir les orbes. Bon, bref, bisous tout le monde, à plus tard, salut. Chou.